de charbon. Il est arrivé un gars, un genre de tocson. Faisait 300 livres, puis mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient surnommé Gros Jambon. Gros Jambon! C'était un gars bien tranquille, qui parlait pas beaucoup. Puis tout seul dans son coin, il prenait tout un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine, avec ses deux sandwichs puis sa canne de vin. Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Y'a personne qui savait de quel coin il venait, mais nous autres, on se doutait bien que c'était un Québécois. Parce qu'il sacrait tout le temps, puis il mangeait ben des crotons. Puis il avait tout le poil frisé comme un mouton. Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! L'as-tu pas qu'un matin dans 8e galerie, les madriers s'écrasent et l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Puis parmi ces 23, il y avait comme de raison. Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Au milieu de la poussière, de la fumée pis de la steam, on a vu un géant s'emparer d'un gros bim, la lever d'une seule main pis l'accoter sur le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon! Gros Jambon! Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusque vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la steam, il y en avait toujours un qui tenait encore son bim. Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu un grand cri qui se fit entendre. Tout le monde a compris qu'au milieu de la steam, le gars au fond de la mine avait lâché son bim. Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Gros Jambon! Et depuis ce matin-là, devant la mine de charbon, on peut voir sur un mur écrit au crayon une petite phrase bien courte, mais qui en dit bien long. Dans le fin fond de la mine, il y a un grand, grand tocson. Gros Jambon.